C'est une deuxième édition sur fond de bras de fer que le Tien Tien 2023 a été lancé à Yamoussoukro il y a quelques jours. Un collectif de 16 clubs, dont 9 retirés du tournoi de Maracana, interpelle à la Fédération ivoirienne de petits poteaux. On a fait l'inscription depuis décembre. Il y a beaucoup de dépenses qui ont été effectuées juste après pour le recrutement des joueurs, pour leur entretien, pour les maillots, pour plein de choses. On a payé 1 500 000. Voilà, pour pouvoir inscrire déjà le club. Mais il y a beaucoup plus de sommes qui sont sorties juste après. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le mois d'avril. Et il nous fait savoir que nous ne sommes que des présidents de club, mais le club ne nous appartient pas. Il y a plein de choses qu'ils ont commencé à nous dire par rapport au contrat qu'on avait au départ exigé. Les membres du collectif en colère contre Jonathan Morrison font des propositions après avoir soulevé 12 points de désaccord avec le promoteur du Tien Tien, doté d'une cagnotte de 100 millions de francs CFA pour l'édition 2023. La première des choses que nous reprochons déjà, c'est l'attitude de M. Jonathan Morrison. M. Jonathan Morrison, quand vous l'avez en face de lui à une réunion, c'est complètement différent de la personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, aimable et tout. Non. C'est des invectives, c'est des injures, c'est des menaces. Donc, nous souhaitons que M. Jonathan se ressaisisse, qu'il revienne à la table des discussions. Nous ne sommes pas d'accord avec certaines clauses de son contrat. Donc, nous voulons en discuter. Nous voulons en discuter et trouver un accord pour qu'on puisse avancer. Le modèle de partenariat proposé par 13 structures organisatrices de l'événement pose un réel problème. Les clubs dissidents écartés de la compétition en appellent à l'arbitrage des autorités compétentes et se réservent le droit de poursuivre 13 et son PDG Jonathan Morrison devant les tribunaux. Contactée par cette info, la direction de communication de 13 a refusé de réagir aux allégations du collectif.